Ton monde brisé ne mérite pas ma perfection. Mais je suis clément.
Ah, le palais d'Aphrodite. La silhouette la plus majestueuse de tous les édifices de l'île d'Or. Pour ce qui est des édifices, peut-être. Mais il y a une montagne que je trouve particulièrement royale.
vas connaître la perfection. Tu vas souffrir, mais cela en vaudra la peine.
Eros, comme fils à sa maman, celui-là. Toujours à faire ce que demande Aphrodite. Comme de tirer une flèche sur Hélène, histoire d'honorer son marché avec Paris de Troie. Je me demande si Phénix essaiera de tirer une flèche sur la statue d'Hélène. Tu as peut-être offert à Paris le pouvoir, Hera, mais cela ne t'a pas rapporté la pomme de la discorde. Mais non, c'est pas ça du tout. Paris se fichait complètement du pouvoir. Il était un esclave de l'amour. Athéna, si Paris avait su que la guerre de Troie surviendrait, il aurait peut-être choisi le talent au combat que tu lui avais promis en échange de la pomme. Mais hélas... Ha ha ! Un paradoxe temporel ! Wow ! Tu es plus intelligent que je ne l'imaginais. Excuse-moi, j'ai cru que tu m'envoyais un fion, là. Tu peux répéter ? Non, tout va bien. Tu savais que ce coq fut autrefois le grand Alectryon ? Le piaf insupportable d'Hélios ? Celui qui hurle à chaque fois que le soleil se lève ? En personne, oui. Coupe-lui la tête, Phénix ! La dernière chose que j'ai envie d'entendre après avoir bu avec Dionysos, c'est bien cet oiseau. Ah!
l'invention fonctionne. Ici, Dédale. Roi Kokalos, mon bienfaiteur, tu es mécontent. Écoute néanmoins, je t'en prie, mon histoire. Ces énigmes te guideront à mon atelier. D'ici à ce que tu me rejoignes, puisse-t-elle aussi guider ta compréhension? Je n'ai pas eu le choix, mon roi. La pomme de la discorde. On peut dire que ça a fichu un sacré tintouin. Trois déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Mais notre héroïne savait que pour Aphrodite, cette pomme symbolisait bien plus qu'un nombrilisme digne de Narcisse. C'est pour cela qu'elle devait gagner. Vraiment? Et quel symbole Phénix y voyait-elle? La liberté. Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi. J'en ai assez de tes cadeaux. Pardon, mais mon rôle premier est de donner, pas de recevoir. C'est une autre pomme pour ta collection. Elle est magnifique. Il me la faut. Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invité au mariage de Pélée et de Thétis? Quoi? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment cela a pu m'échapper? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de filles! Et dire qu'Héra a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui! Le concours de beauté! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge? Il est devant moi. Oui, bon, d'accord. J'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Héra a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour.
Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour l'avoir. Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut pas avoir le côté d'une pièce sans l'autre. Ta passion, ta spontanéité et, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui. Mais sais-tu à quoi elles ont aussi donné naissance? Non, à quoi? Certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde ne connaîtra jamais. Je le sais, je suis moi-même conteuse. D'accord, on court moins de danger si l'on reste chez soi, mais tout est plus beau en couleur. La passion vaut bien la souffrance. Oh. Il y a dans cette crypte l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugée. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'apportes que des ennuis. Aphrodite, Aphrodite. Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, bon, je l'ai pas dit comme ça. Ah, tu crois? Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour, ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible. D'accord. Je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Tu me retrouveras à la halle des dieux. Bon, allez! Dégagez-vous tous! Ça commence à bien faire! Allez jouer ailleurs! J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Oh, un garçon ou une fille? Non, non. Ah, je vois, un enfant de genre non-binaire. Ma parole, Zeus! Mais Prométhée, je suis un dieu! Je connais le monde.